Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous faire un haul. Alors j'ai commandé beaucoup sur beaucoup de sites et beaucoup sur internet, donc du coup je suis en attente de colis. Là j'ai acheté sur place dans un magasin de luxe à Carrefour et donc du coup je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté à Carrefour parce que je l'ai sous la main et que c'est un gros sac. Et donc du coup vous me verrez sûrement en différentes tenues puisque je vous montrerai ce que je recevrai plus tard. Je vais pas vous faire une vidéo par magasin. Donc à Carrefour, à mon grand étonnement, quand j'étais partie en janvier 2015, ma mère, à la quatrième semaine des soldes, troisième, quatrième, j'aime bien attendre la dernière des marques. De manière à chaque fois que j'achète à la première des marques, je me fais tout le temps avoir et ça m'énerve. Donc là, bon, j'ai pas perdu beaucoup d'argent, mais je l'ai quand même perdu et ça me saoule. Et donc du coup, la quatrième semaine, on allait comme ça. En janvier, il ne restait rien du tout. Mais rien. En fait, on a pris que des vêtements pour les garçons. C'était pas très joli, c'est des cols roulés. Bon, voilà, plutôt des soupules. Là, à mon grand étonnement, il y avait plein de trucs. Donc du coup, j'avais aussi une mauvaise habitude, parce que ma fille a 6 mois et demi, de prendre toujours du 12 mois, du 24 mois. C'est bon, elle fait 6 mois, Senna, tu prends du 6 mois. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris aussi. Donc là, j'ai pris vraiment du 6 mois pour du 6 mois, et du 9 mois et du 12 mois. Donc je vais également vous montrer aussi des cadeaux de naissance que j'ai pris. Donc tout d'abord, j'ai pris cette barboteuse. Donc 2 euros s'il vous plaît de Disney, en coûte-moi bien 18 mois, mais c'est pas grave parce qu'honnêtement 2 euros c'est que dalle. J'essaie de vous dire les prix si je m'en souviens, mais tout est à 70%. Ensuite j'ai pris 3 pyjamas. Donc il y a celui-ci, celui-ci, donc ça pareil, les 3 pyjamas à 6 euros. Donc je vous invite, je cherche à trouver moins cher, je pense que c'est vraiment impossible hein, là, au niveau du prix. Et le troisième doit être quelque part par là, ici. 6 euros les 3 pyjamas, franchement c'est gratuit quoi, limite gratuit. Voilà, et ils sont en coton, c'est léger mais ça va être très bien pour ces 12 mois, donc c'est bientôt n'empêche. Ensuite ça j'ai pris du 23 mois Senna, donc pareil vraiment par rapport au prix, 1,80€ une barboteuse, I want it quoi. C'est trop mignon je trouve. Voilà, après donc ça j'avoue c'est pas trop mon style, c'est plutôt ma mère qui l'a choisi, donc voilà. Un t-shirt. Donc ça c'était du 9 mois, ça en 12 mois. Alors dans les cadeaux de naissance j'ai pris ça à 20 euros et je pense que je me suis fait un peu douiller parce que je pense que je ne l'ai pas pris soldé. Donc je vais revérifier le ticket de caisse, mais honnêtement il me semble qu'il n'est pas soldé parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Et j'en ai eu pour plus de 100 euros et je suis en train de me rendre compte que je crois que c'était pas soldé. Donc ça je l'ai payé 20 euros. Il faut absolument que je retrouve le ticket de caisse parce que là ça me fait chier quoi. Moi je pensais que c'était à 70 euros et je pense que je l'ai vraiment payé 20 euros. 70 euros. T'as dit quoi? T'as dit 70 euros. Ouais, 70%. Ouais franchement si c'est 20 euros ça me saoule, mais voilà. Franchement si je retrouve le ticket... On verra parce que je sais plus combien je l'ai payé. Donc je pense pas que c'était soldé. À mon avis, je l'ai vraiment payé 20 euros. Ça fait la 10e fois que je le dis, mais c'est pas grave. 20 euros, 20 euros, 20 euros. Alors ça, c'est un body en 9 mois. Donc là, j'ai pris que des trucs Disney. Donc les Disney, c'était un peu plus cher. C'était à 50%, mais voilà. C'est très bien aussi. Après, les petits t-shirts comme ça. J'ai pris 2 maillots de bain, donc un en 18 mois, ne sait-on jamais. Alors un en 18 mois et un en 6 mois, qui est quelque part par là, je vous le montrerai quand ça viendra. J'ai pris ça. En fait, j'ai vraiment pris que du Disney à Carrefour. Ça, c'est un autre cadeau de naissance que j'ai pris à Monoprix. Voilà, donc pareil, 70% de 24 euros, de 25 euros, voilà. Ni vu ni connu, hein. En fait ça c'est pour une seule personne, donc je l'ai pris cet ensemble, un gilet. Je lui ai pris des petits chaussons à H&M. En fait il n'y a rien qui va avec rien bien évidemment. Il me manque, il faut que je lui prenne encore un body et des bavoirs. Comme ça vraiment ça fera un beau cadeau de naissance quoi. Voilà, on ne pourra rien me dire. Voilà, ça c'est pas grave. Après j'ai pris des duos de robes, donc en 6 mois, donc ça. Avec celle-là. Je crois que c'était les 2 à 3 euros. Donc franchement, voilà. Ensuite, j'ai pris des shirts. En veux-tu, en voilà. Un, deux. Ah oui, l'autre maillot de bain, il est là. En 6 mois. 1,50€. Ensuite, les duos de shirts. Donc j'ai pris celui-ci. Et celui-ci en 6 mois. Donc ça,
Franchement, j'ai fait une petite erreur parce que c'est un peu serré. J'aurais vraiment dû prendre du 9 mois, je regrette. Du coup, j'ai pris du 9 mois. Je me suis rattrapée évidemment dans un autre lot. Donc, j'ai pris celui-ci et l'autre, il doit être quelque part par ici. Ensuite, j'ai pris ce haut qui va avec le shirt. Pourquoi? Parce que, en fait, ma mère au début, elle ne me l'avait pas pris. Parce que c'était du 1 mois. Ça, c'est du 1 mois. C'est pas du 1 mois ce truc. Franchement, ils se sont trompés. Ma fille, elle flotte dedans. Donc, pour moi, franchement, ça, c'est du 12 mois quoi. C'est pas du 1 mois, hein, donc du coup je l'ai pris aussi. Après j'avais pris ce petit body à CA, c'était que 20%, hein, je l'ai payé cher je trouve, 4 euros tout seul. Alors j'avoue c'est cher mais bon, je l'ai trouvé joli. Donc ça c'était des soldes bidons, on s'en fout. J'ai pris ce manteau, écoute-moi bien Senna, 5,50 euros. Donc là, ça va quoi. Il est là l'autre shirt que j'ai pris en 9 mois. Voilà, en prêt, donc à suite et en prêt, j'ai pris ce débardeur à 2,50 €. Ah oui, ça que je me suis fait douiller. Écoute-moi, ça m'énerve. Cette barboteuse que tu vois là, mini, alors que l'autre, elle est à 1,77 €, ok? Je l'ai payé 7 €. Voilà, ça m'énerve, parce qu'en plus, elle le met en pyjama. Donc 7 €. Pour le retrouver à 2 €, heureusement que je ne l'ai pas retrouvé, sinon je me serais tiré une balle. Mais obligé qu'il est passé à 2 € et que je me suis fait avoir. Mais ça m'énerve. Pour 5 €, je vais plus dormir la nuit. Merde. Après, j'ai pris... Ah, ça, c'est mon coup de cœur de ouf. Ça, c'est trop, trop beau. Franchement, c'est pas trop magnifique. Un leggings en tricot de laine à CEA. 2,50 €. Ok, ma copine. À la base, c'était marqué 3,50 €. Et je vais à la caisse et elle me dit 2,50 €. J'ai fait yeah nigga. Après j'ai pris ça, donc ça c'est pas du tout mon style, hein. I love mummy. En plus l'autre Saracena, il ou I love daddy, je sais pas. Mais c'est un peu trop juste pour ma fille. Et je l'ai pris parce que c'était 1 €. Et c'est trop juste, 19-20 €. Voilà. Et en plus franchement je vous conseille pas trop ce genre de chaussons, parce que quand le bébé il met, ça fait les doigts de pied comme ça, enfin ça fait trop. Voilà c'est ça. Donc ça je vous conseille pas, hein. C'est pas trop. Voilà. Encore un t-shirt Disney. Mais j'ai rien dit à Sony, parce que si Sony il voit tout ce que j'ai pris de n'importe quoi, il a pété un câble. C'est le 10e que je vous montre. Et après évidemment on finit par un body Disney. Ah non attends, il y en a encore. Voilà, un bonnet Disney. Un bonnet évidemment, un bonnet. Des petites chaussettes, ça je vais pas te montrer. Bon après j'ai pris des chaussettes et tout. Et voilà c'est là. Bon après j'ai... Donc on va continuer avec un haul Carrefour. Donc j'ai tout d'abord pris ces petits chaussons. Je trouvais qu'ils étaient super jolis. Je crois que c'était 3 € et quelques. Voilà. J'ai également pris une paire de chaussons en taille 42. En plus c'est de la taille 19. Hein. C'est vachement 19. Ça c'est du 22, ça c'est du 19. Il n'y a pas un petit souci. Mais voilà, pareil à 70%. Ensuite je suis allée à Primark. J'ai pris donc 5 paires de chaussettes, vous savez, avec les adhésifs là. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Les 5 à 2,50 €, bon, c'était pas soldé mais c'est vraiment des prix imbattables. Voilà, et de très bonne qualité d'ailleurs, je vous les recommande. Et j'ai pris un paquet d'élastiques. Alors je vais vous les montrer comme ça, je vais pas tous les montrer un par un, enfin, vous savez c'est les élastiques comme ça là. C'était à peu près 1,50 € je crois. Ensuite à Carrefour, j'ai eu un cadeau de naissance. De Carrefour parce que c'est des trucs de Disney. Donc j'ai eu ça. Voilà. Et j'ai eu ce super beau pyjama. Voilà, donc ça c'était des cadeaux de naissance. Voilà, je l'ai juste rajouté. Cadeau de naissance à un an, mais bon, ça va. Ensuite, à Auchan, j'ai pris ce petit pantalon. Il était à 2 € et quelques. Voilà. Et à Kiabi, donc j'ai passé deux commandes. Je vous en montre une et la prochaine, ça sera la semaine prochaine. J'ai pris ce petit pantalon, vous savez, qu'il y a avec le haut et les chaussons. Donc les chaussons je les ai jetés parce qu'ils étaient vraiment trop petits, c'est ridicule. Ça c'est du 12 mois, les chaussons je crois que c'était du 1 mois et demi quoi. Vraiment ça ne va pas du tout je trouve. Donc je les ai jetés, j'ai gardé le pantalon. Et du coup j'ai commandé le haut parce que je me tâtais à le commander. Et au final je l'ai quand même commandé en deuxième commande. Donc je recevrai son haut. J'ai pris cette petite robe là. Voilà. Alors ça j'avais craqué dessus depuis le début des soldes de toute manière. Et j'ai bien fait d'attendre parce que du coup il est encore plus soldé avec les petits chats sur le côté. J'ai pris que du 12 mois par contre. Et j'ai pris cette veste en jean, vraiment je la voulais. Mais le truc c'est que je me suis pas aperçue qu'il y avait ça derrière. Donc bon, on va voir comment on va faire. Parce que ça fait vraiment cheap, j'aime pas du tout.
Mais devant, c'est très joli. Là, c'est la dernière partie. Voilà. Je vais vous de montrer ça un peu comme ça vient. Donc, j'ai commandé ces petits chaussons à Auchan. Ensuite, j'ai pris pour terminer le cadeau de naissance de ma copine ces deux bodys à Kiabi. Et honnêtement, en 3 mois, je suis vraiment dégoûtée qu'ils n'existent pas. En 9 mois, je les aurais trop pris pour ma fille, quoi. J'ai trop craqué dessus. Donc, je vais lui offrir, mais je suis trop jalouse, quoi. Vraiment, je trouve trop beau. Ensuite, j'ai pris ça à CA. Je trouve que c'est un body qui peut vraiment se suffire à lui-même, dans le sens où voilà, on met un petit shirt ou un pantalon. Je trouve que ça fait très habillé. À CA, toujours, j'ai pris ça. J'ai pris également ce pantalon parce qu'elle elle en a pas beaucoup. Ensuite, à Kiabi, j'ai pris, je sais, c'est très grand, hein, 18 mois, mais parce que j'ai trop craqué dessus, il restait que cette taille de jogging. À CA, j'ai pris ce petit shirt. J'ai également pris ce haut de Disney, rempli de petits points même derrière. Après, à Kiabi, j'ai pris ces deux patères. Donc, je vous montrerai ce que j'en ferai. Il y en a un où je vais accrocher tous ces bavoirs et un où je vais mettre ces élastiques. Donc voilà, je trouve que c'est un bel élément de dépôt. Ensuite, comme à Kiabi, je lui avais pris le pantalon qui allait avec ça. Du coup, j'ai pris le haut. Voilà, et puis j'essaierai de le mettre avec d'autres choses. Je lui ai pris deux élastiques. Donc, l'autre, je l'ai perdu. Non, il l'a, pardon. J'ai pris deux bandeaux, toujours à Kiabi, qui sont revenus quand même à 60 centimes l'unité, hein, quand vous aviez... Justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment commander sur le net à Kiabi pour moi. J'ai commandé ces deux paires de collants à Auchan. En sachant que celle-ci, elle l'avait déjà quand elle avait à la naissance, en fait. Et du coup, là, je lui ai pris en plus grand parce que j'adore les collants de Auchan. Je lui ai pris deux pyjamas, toujours à Auchan, qui sont... Ils sont bidons, hein. Ils sont vraiment de manière très, très, très légère. Et je les ai pris en 12 mois ou 18 mois, je sais pas. Pour le prix, c'était à 1 euro et quelques. Donc voilà. Et j'ai craqué sur ce petit débardeur à orchestra. Je trouve qu'il est trop beau. Voilà. J'ai également pris deux paires de chaussettes hautes dans un petit magasin à côté de chez moi, en fait. Donc il y a celle-ci, mais j'adore. Je trouve que c'est vraiment trop, trop beau. Je lui ai pris également celle-ci. Et je lui ai pris un ensemble. Bon, j'avoue, c'est un peu grand, en 24 mois. Mais parce que c'était 2 euros l'ensemble. Donc, vous avez le bas et le haut. Voilà. Donc, voilà. Là, je pense que je vous ai tout montré. Comme je vous ai dit, j'ai aussi pris beaucoup de body et tout. Donc, ça, je vais pas vous les montrer un par un. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.